Ce truc que vous allez suivre, ça s'appelle relativité restreinte. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce qu'on va faire dans ce cours? Posez la question de manière négative d'abord. Est-ce qu'il y en a qui n'ont aucune idée de ce qui va se passer là pendant 9 séances? Ah, quelques personnes quand même, ouais. Que 3, d'accord. Ok. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Toi, tu n'as pas levé la main? Moi? Ouais. Non. Tu as une idée? Ouais. Ok, vas-y. Dis-nous. Pour une gravitation. D'accord, alors excellente remarque, c'est pas ça, justement, ça me permet de... Non, mais voilà. Alors le mot relativité, en fait, il désigne deux choses. Il y a deux théories différentes qui ont été élaborées, je ne vous dis pas quand, parce que ça fera partie du quiz d'après, mais voilà. Il y a une théorie qui s'appelle la relativité restreinte, une théorie qui s'appelle la relativité générale. Elles ont été établies l'une après l'autre par la même personne, on peut peut-être nous dire qui ? Einstein. Ok, Einstein. Et essentiellement, la relativité générale, c'est justement une description de la gravitation. Quand on parle de gravitation, de trous noirs et tout ça, c'est de relativité générale qu'il s'agit. Cette relativité générale, pour la comprendre, il faut en fait avoir compris l'autre théorie qui vient avant, c'est-à-dire la relativité restreinte, et c'est celle qu'on va faire maintenant. Donc moi, je ne vais pas du tout parler de gravitation dans le cours qui est ici. Vous allez voir qu'il y a quand même des trucs un peu... étonnant, intéressant, amusant et tout ça, mais par exemple, je ne parlerai pas de trous noirs du tout dans le cours qui est ici. Pour ceux que la question des trous noirs ou de la relativité générale intéresse, j'ai déjà donné ce cours, en fait j'ai donné une fois et je l'avais filmé, et donc vous pouvez trouver facilement sur internet les vidéos de l'introduction à un cours de relativité générale qui était destiné à des M1, mais c'est un cours de niveau, je dirais, plutôt L3, et donc je pense qu'à l'issue du cours qui est là, pour aller voir les premières, voir si ça vous intéresse. Ça sera vraiment dans le même esprit. Alors donc, non, pas la gravitation. Est-ce que quelqu'un veut me dire quelque chose d'autre? Vas-y. J'avais lu que Einstein avait fait le lien entre l'électromagnétisme et le mécanisme, les lois de la mécanique. Oui, tout à fait. Ça, je le mets dans un coin. Top. Lien important avec l'électromagnétisme, lien entre la mécanique et l'électromagnétisme. Ok. Il semble que quand on considère que la vitesse dans le temps et dans l'espace, elle est égale à une constante, donc on ne peut pas se déplacer. La vitesse dans le temps et dans l'espace, vas-y, la vitesse dans le temps et dans l'espace ne peut pas être supérieure à une valeur qui est celle qui est la vitesse de la lumière. Alors d'accord, alors, je vais reprendre tes mots, je vais faire un Tetris avec. Hop. Effectivement, il y a une vitesse qu'on ne peut pas dépasser, c'est la vitesse de la lumière. Ça va être une des bases de la théorie de la relativité restreinte. Je le mets de côté aussi. Vitesse de la lumière, on ne peut pas la dépasser. Quoi. Enfin, on va faire ça avec une phrase en français, mais en gros, ça va être ça. Ok. D'autres choses? Plus on se déplace à une vitesse élevée, plus le temps se dilate. Dilatation du temps, d'accord. Et contraction des longueurs. Effectivement, les notions de longueur et de temps vont être, sont affectées par le mouvement, en fait. Hein. Donc ça, on va en parler dès aujourd'hui, on va aborder ça. Et il y a autre chose que vous avez tous en tête, même si vous ne savez peut-être pas que c'est relié à ça, en fait, c'est la formule la plus célèbre du monde, E égale mc2, voilà, c'est plein là-dedans, c'est en plein milieu du cours, on va voir débarquer ça, E égale mc2, ce que ça veut dire, d'où ça vient, pourquoi, comment, entre, installe pas. Sans shooter dans la caméra, c'est la seule. Alors, je vais vous prévenir, donc vous mettre en garde contre quelque chose. On va essentiellement aujourd'hui, enfin même dans la suite du cours, discuter des faits qui sont hautement non intuitifs, en fait qui contredisent l'intuition, qui semblent débiles a priori, et une réaction courante et normale, c'est de se dire, bon ok, là il nous parle de trucs, mais bon c'est le truc de physicien, ok. On va l'écouter parce que c'est propre, hein, c'est de la physique, on va faire comme il dit pour les examens et tout, mais bon, moi je sais bien que c'est pas comme ça.
Le truc de fou, vraiment, c'est que tout ce dont je vais vous parler là, c'est vraiment comme ça que la nature marche. On va voir, par exemple, le fait que quand on mesure la longueur d'un objet en mouvement, moi je peux déjà vous dire ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que voilà, ce truc-là, si je le mesure au repos, je prends sa longueur, ça fait combien ? 80 cm ? À peine 60, 70, c'est un genre de mesure, bref. Ça fait une certaine longueur, ok ? Si je le mets en mouvement comme ça, et que j'essaye de le mesurer alors qu'il est en mouvement, je vais trouver une longueur plus petite. Une longueur d'autant plus petite que sa vitesse est grande. Ça, ça semble débile. On dit simplement, ben non, ben vous ne savez pas mesurer un truc, quoi. C'est ça, voilà. Ben je vous assure que si vous faites le mieux que vous pouvez, le plus intelligent pour mesurer la longueur de ce truc quand il est en train de se déplacer, vous allez trouver que la longueur est plus petite qu'au repos. Et plus petite, ça peut être un peu plus petite s'il va doucement, ça peut être deux fois plus petit, quatre fois plus petit, dix fois plus petit, voire comme ça, hein. Ça peut être vraiment minuscule. Hein. On verra dans des situations qui existent dans la nature, qui sont même courantes, qu'il y a des situations dans lesquelles les longueurs sont diminuées d'un facteur 1000, 10 000. D'accord ? On en parlera à ça à la fin du cours. Ces trucs existent, on a des preuves expérimentales de ça. Donc voilà, c'est pas juste des trucs de physique et tout ça, et je pense que c'est là où la matière devient intéressante. C'est quand on commence à se dire qu'on est en train de parler de la nature. La contraction des longueurs, c'est les molécules qui se font en surface. Alors, si tu veux bien, tu reposeras ta question quand on en parlera vraiment. Mais garde, c'est une question intéressante, effectivement, de ce que ça veut dire physiquement, pourquoi ça se contracte, etc. Alors, c'est parti. Je suis toujours en train de chercher les crayons. Ils sont là. Je suis un autiste, et pour moi, ils doivent être là. Voilà. Ok. Chapitre 1. Transformation de Lorentz. Je vais commencer par vous parler de quelque chose qui s'appelle la relativité galiléenne. Alors, je vais commencer ici par vous décrire des choses que vous savez déjà sur la mécanique, qui vont vous sembler parfois évidentes, voire tellement pas intéressantes, peut-être parce que c'est évident. Tant pis, accrochez-vous, écoutez-le quand même, et ça prendra un peu plus de sens après, quand on verra des choses, justement, qui dépassent le cadre de ce que je vais mettre ici. À la limite, ça, c'est le genre de truc où, justement, vous pourrez le re-regarder à la fin du cours, en perspective de ce qui va suivre après. Quand vous faites de la mécanique, vous apprenez de la mécanique dans les petites classes, c'est-à-dire en fait jusqu'à maintenant, quoi, la mécanique que vous avez apprise, elle est basée essentiellement sur les lois de la mécanique de Newton. Et les lois de Newton, bah, on peut les écrire de la manière suivante. Somme des forces qui agissent sur un système est égale à m pour l'accélération, qui est l'accélération du système. Et ça, c'est valable dans tout référentiel galiléen. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel galiléen ? Vas-y. C'est un référentiel dans lequel on ne considère pas les forces inertiques, les forces inertielles. Alors, on peut dire ça comme ça. Ça tourne un petit peu en rond parce qu'en fait, on va introduire des forces d'inertie dans ce qui n'est pas des référentiels galiléens en général. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Pas un référentiel dans lequel on n'a que des mouvements relativement uniformes. Rien à voir. Bah, là, si on est dans un référentiel galiléen à peu près en ce moment-là, et la craie, regardez, elle a un mouvement qui n'est pas du tout rectiligne uniforme. Tu veux dire, tu veux rajouter quelque chose probablement dans ta phrase, non ? Quelque chose qui n'est pas soumis à une force, en fait. Un corps qui n'est pas soumis à une force, qui n'est soumis à aucune force, dans un référentiel galiléen, il va effectivement avoir un mouvement rectiligne uniforme. Mais en fait, c'est dire la même chose que ça, avec ici, somme des forces égale à zéro, et donc l'accélération est nulle. En fait, hein, ça, je vous l'avais déjà un petit peu dit en cours l'an dernier, la notion de référentiel galiléen, en fait, elle est vraiment attachée à ça, c'est-à-dire que c'est les référentiels dans lesquels ça, c'est vrai. Hein. Ça se mord un petit peu la queue, là, cette définition, enfin, le lien entre ça et ça. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus, disons, sûr et qui se mord moins la queue, c'est comment est-ce qu'on passe d'un référentiel galiléen
à un autre. Une fois qu'on en connaît un, c'est facile d'avoir tous les autres, ils ont une propriété particulière, les autres référentiels galiléens. Vas-y. Les référentiels galiléens, enfin, un référentiel, il est galiléen s'il est en translation par rapport à un autre référentiel. Oui, alors translation, ça ne suffit pas. Rectiligne, ça ne suffit pas. Uniforme, voilà. Que ce soit long d'une droite et à vitesse constante. Autrement dit, que le vecteur vitesse soit constant. Donc effectivement, les référentiels galiléens sont reliés entre eux de cette manière-là. Quand on en connaît un, si on se déplace à vitesse constante par rapport à ce premier référentiel, et là, on est encore dans un référentiel galiléen. Et ça, je vais l'écrire de manière un tout petit peu plus formelle, et ce que je vais écrire là, ça va être vraiment la base de ce qui va suivre. Je vais prendre un premier référentiel R, que je vais appeler le référentiel fixe. Je mets des guillemets parce que fixe, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est toujours fixe par rapport à quelque chose. Mais voilà, ça va être mon référentiel duquel je pars. Et je vais appeler R' un référentiel en translation uniforme rectiligne à vitesse V par rapport au premier. Je vais noter V avec une grande lettre majuscule dans toute la suite, quand il s'agira de la vitesse d'un référentiel par rapport à un autre. Et pour simplifier un petit peu ce qui va suivre, je vais supposer que cette vitesse ici, elle est dirigée selon la direction X, c'est-à-dire que je vais dire que la grand V, c'est la norme de V fois Ux, où Ux, c'est un vecteur unitaire dirigé suivant X. Et je vais aussi supposer dans tout ce qui va suivre que les deux référentiels R et R' ont leurs axes X, Y, Z qui sont orientés dans la même direction. Pas X, Y, Z chacun dans la même direction, mais le X de l'un est dans la même direction que le X de l'autre, le Y de l'un dans la même direction que le Y de l'autre, etc. Ce qu'on pourrait dessiner du coup de cette manière-là, schématiquement, X, Y, Z avec ici une origine O, ça c'est le référentiel R, et le deuxième référentiel ici, je vais noter Z', Y', X', avec son centre, son origine O', et lui, il est en translation rectiligne uniforme à la vitesse V par rapport au premier. C'est ce dessin-là qu'il faut avoir en tête. On appelle ça une configuration standard. On dit que les deux référentiels sont en configuration standard quand on est là-dedans. Souvent, on évite d'avoir à refaire le dessin à chaque fois. Et dans l'essentiel de ce que je vais faire aujourd'hui et dans les deux premiers cours, c'est ça qu'on va supposer. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur cette situation. Ce n'est pas la situation la plus générale, il y a beaucoup de choses à dire. Les coordonnées d'un point dans un référentiel, si je connais les coordonnées d'un point là-dedans, je peux déterminer facilement les coordonnées d'un point dans l'autre référentiel qui est ici. Je vais écrire ici le lien entre les deux. X', c'est X moins V fois T, Y', c'est Y, Z', c'est Z. Voilà. Si j'ai un point dont je connais la coordonnée X, au cours du temps, sa coordonnée dans ce référentiel-là diminue, simplement parce que ce référentiel se déplace par là-bas. Donc imaginez un point qui soit fixe dans le premier référentiel, par exemple, mon doigt, le point qui est là. Si ce point est fixe dans le référentiel R, voyez que quand R' avance, ce point-là se décale vers la gauche par rapport au référentiel, et donc sa coordonnée X diminue effectivement au cours du temps, ce qui est réalisé par le terme qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une transformation galiléenne des coordonnées. Ça date ça a environ 4 siècles, la notion que ce genre de transformation est intéressante. Je vais rajouter quelque chose à ces trois coordonnées-là. Je vais aussi dire quelque chose sur le temps, la manière dont on mesure le temps dans les deux référentiels. Quand vous faites de la mécanique classique, habituelle, vous écrivez ça en plus. Enfin, vous ne l'écrivez pas tellement, c'est évident. Mais vous sous-entendez ça. C'est-à-dire que les temps qui sont mesurés dans ce référentiel-là sont les mêmes que les temps qui sont mesurés là-dedans. Si je munis ces observateurs-là de petits chronomètres, ils vont mesurer les mêmes temps que ceux qui sont dans ce référentiel. Donc voilà, de manière complète, ce qu'on appelle la transformation galiléenne des vitesses. Ça, quand on fait ces changements de coordonnées-là, ça vous dit quelque chose sur la manière dont se transforment les vitesses, par exemple. Et je vais écrire ça aussi, et puis après j'avancerai vers des choses moins triviales, moins évidentes. Mais vous voyez que si je m'intéresse à un corps qui a une certaine vitesse,
il y a une autre vitesse R' et je vais relier les deux simplement en utilisant ça. Voilà. Je vais prendre la coordonnée du point. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par exemple la deuxième par la première. Et avant de faire ça, je vais écrire cette relation-là, non pas sous cette manière-là, mais avec des écarts de coordonnées. Vous voyez par exemple ici que si T' est égal à T, si les temps sont égaux dans les deux référentiels, c'est-à-dire que les écarts de temps sont égaux aussi, T' est égal à delta T. Vous voyez que les écarts de X', si les X' sont reliés au X de cette manière-là, les écarts en X' sont reliés aux écarts en X et en T de cette manière-là. Il suffit d'écrire ça pour un certain X'1 et un X1 et un T1, la même chose avec un autre instant T2 où les positions valent X2 et X'2 et de faire la différence et on tombe immédiatement sur ça. Je n'écris pas les deux qui restent, c'est celles-là qui vont m'intéresser. Si je fais le rapport des deux, ça divisé par ça. Delta X' sur delta T', si X' représente la position d'un point, ça sur ça, c'est la vitesse. Hein. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est la composante même suivant X de la vitesse, et le rapport entre ça et ça, c'est égal à, si je divise tout ça par ça, je montre avec delta X sur T, c'est-à-dire Vx, moins V delta T sur delta T, les delta T simplifient, et il reste ça. La composante suivant X de la vitesse d'un corps se transforme de cette manière-là. Ce qu'on peut aussi écrire d'ailleurs de cette manière-là, Vx est égal à Vx' plus V. Là, à ce stade, vous devez vous dire, bon, ok, tout ça pour écrire ça, ça on le sait depuis l'école primaire, et c'est quelque chose qui est vraiment élémentaire et qui est vraiment très intuitif. Regardons ensemble là, cette équation-là, ce qu'elle nous dit dans un cas pratique. Imaginez que le référentiel qui est ici, là, en mouvement, ça soit un train, il soit attaché à un train qui sont en train de se déplacer, ici vers la droite. Ça, c'est un référentiel lié au quai. Vous avez le train qui se déplace à vitesse grand V par rapport au quai. Vous êtes dans le train, vous marchez à une certaine vitesse, par exemple vers l'avant, par rapport au train, voilà, vous marchez dans le train. Ce que vous dit l'équation qui est ici, c'est que votre vitesse à vous, par rapport au quai, c'est votre vitesse dans le référentiel lié au train, c'est-à-dire la vitesse par rapport au train, plus la vitesse du train lui-même. Autrement dit, si vous marchez à 10 km/h, je vais le faire dans le bon sens, le train il va par là-bas, vous marchez à 10 km/h dans un train qui va à 100 km/h, votre vitesse par rapport au quai vaut combien ? 110. Si vous allez dans l'autre sens, ça fera 90 au contraire. Donc c'est vraiment ce que vous dit la relation qui est ici, c'est un truc voilà, qu'on arrive de manière élémentaire à retrouver. Ce que ça vous dit aussi, je n'ai pas écrit les autres, mais on peut montrer facilement que V'Y, c'est VY, elles ne sont pas changées, et V'Z, c'est donné par VZ. Voilà, et ça, c'est donné par le rapport de ça par ça et de ça par ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la composition des vitesses galiléennes. Composition galiléenne des vitesses. Ça, ce truc élémentaire, intuitif, c'est faux. On a commencé à s'en rendre compte, les gens ont commencé à s'en rendre compte, quand ils ont étudié la manière dont se propageait la lumière. Donc on a su assez tôt dans l'histoire que la lumière avait une vitesse finie. Vous sauriez dire d'ailleurs de quand ça date ça à peu près ? Depuis quand on sait que la lumière est quelque chose qui se déplace à vitesse finie et qu'on a un bon ordre de grandeur de la vitesse à laquelle ça se propage. De 1930, tu veux dire ? Oui. Avant. Bien avant 1920. Non, après, entre 30 et 60. 18e. Ok, alors je vais vous donner la date exacte. C'est bien avant, hein, c'est bien avant. Si, 1676, l'expérience de Romer. Ça a été ensuite confirmé par un autre effet qui s'appelle l'aberration stellaire en 1725. Ça, je ne vais pas vous parler de l'aspect historique de ça. Pour ceux que ça intéresse, il y aura une vidéo aussi. Pour ceux qui suivent le cours d'histoire des sciences du S4, il sera essentiellement consacré à l'histoire de la lumière. Donc ça, j'en parlerai en long, en large, en travers. Et donc vous pourrez, pour ceux qui ne suivent pas ce cours, aller voir le bout de vidéo qui correspondra. J'en parlerai vraiment beaucoup. Mais voilà. Donc depuis les années 1700 quelque chose, on sait que la lumière a une vitesse finie. Et avec un bon ordre de grandeur de la vitesse.
Ce qu'ont essayé de savoir les gens pendant quelques siècles, du coup, c'est d'accord, cette vitesse est définie, mais comment est-ce qu'elle varie en fonction de l'état de mouvement de la personne qui est en train d'essayer de détecter la lumière? Je m'explique. Si la lumière, c'est quelque chose qui est émis par des corps, imaginez vous avez une étoile qui est ici, et cette étoile émet de la lumière, je ne suis pas en train de savoir si c'est des ondes ou des corpuscules ou quoi que ce soit, ça émet quelque chose à une certaine vitesse. Vous, vous êtes là sur la Terre, vous avez de la lumière qui vous arrive dessus, on peut imaginer que la vitesse avec laquelle vous allez recevoir la lumière, elle dépend de la manière dont vous bougez. Si la Terre est en train de s'approcher de la lumière, elle va venir plus vite sur nous. Si on est en train de s'éloigner de la lumière, elle va arriver moins vite sur nous. Donc ça, c'est un effet qui était attendu et qu'on peut essayer de mesurer expérimentalement. Par exemple, vous êtes sur Terre, on sait très bien comment la Terre tourne autour du Soleil, donc on connaît l'état de mouvement de la Terre par rapport au Soleil, et on peut mesurer la vitesse qui vient d'une étoile qui est par là-bas et la vitesse d'une étoile qui est par là-bas. Donc du coup, on a deux lumières qui arrivent, et on se dirige vers l'une des lumières alors qu'on s'éloigne de l'autre. Donc on devrait observer une différence de vitesse de ces deux rayons lumineux. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Et pendant longtemps, pendant tout le 19e siècle, des mesures de plus en plus précises tendaient à montrer que la vitesse de la lumière, c'était la même tout le temps. Quelle que soit la manière dont la Terre était en train de bouger, quelle que soit la manière dont le corps émetteur était en train de bouger aussi, si vous avez une étoile qui se rapproche ou qui s'éloigne, la lumière qu'on en reçoit à la même vitesse, et c'est super bizarre. C'est vraiment super bizarre. D'autant plus que les gens essayaient de mesurer le... Vas-y. Il n'y a jamais de variation, même très peu. Non, on n'en a jamais mis en évidence, effectivement. Et le truc, c'est que c'est pas... Les gens cherchaient un effet, ils connaissaient la vitesse de la Terre autour du Soleil, ils connaissaient la vitesse de la lumière, donc ils connaissaient très bien l'ordre de grandeur de variation de la vitesse qu'ils devaient observer. Et en particulier avec la naissance de l'interférométrie, la possibilité de faire des interférences avec de la lumière, ça donne des moyens, mais vraiment exceptionnellement fins, de mesurer différentes choses en optique, dont la vitesse de la lumière. Et là, c'était absolument certain qu'on n'arrivait pas du tout à voir les variations de vitesse qui étaient prédites par ce genre de relation. Donc il y a eu tout un tumulte intellectuel à la fin du 19e siècle. Encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails historiques ici. Simplement pour la faire courte, en 1905, il y a un gars qui débarque, qui dit « Bon, maintenant, on se calme. La vitesse de la lumière, elle est constante. Point. Voilà. Elle est constante. C'est la même pour tout le monde. On n'arrive pas à voir dans différents référentiels si ça varie et tout. C'est parce que ça ne varie pas. Écoutons la nature qui est en train de nous dire un truc. C'est comme ça. » Ça, c'est le point de départ de la relativité restreinte. Ça va poser tout un tas de problèmes. Ce qu'on va en parler maintenant, de choses bizarres. C'est ça qu'on va faire maintenant. Le paragraphe suivant s'appelle Einstein ose. Ça, je voudrais laisser au tableau un petit peu. Ça aussi. Donc, Einstein se dit, la vitesse de la lumière est constante, et la même dans tous les référentiels galiléens. Il se trouve que ça, c'était aussi en accord avec certains points qui posaient problème en électromagnétisme. C'est pas étonnant que ça soit relié, l'électromagnétisme, la lumière est une onde électromagnétique. Donc l'étude de la lumière est reliée à l'électromagnétisme, et les équations d'électromagnétisme ne sont pas la même forme dans tous les référentiels, donc en particulier quand on fait ce genre de transformation-là sur les équations de Maxwell, on tombe sur quelque chose qui ne ressemble plus aux équations de Maxwell, donc elles ne vérifient pas ce genre de transformation-là, les équations de Maxwell. Et le fait que la lumière soit... Donc si on cherche une transformation pour laquelle la vitesse de lumière est constante, ça résout pas mal de choses dans l'électromagnétisme aussi. En tout cas... Le premier truc qui est sûr, c'est de dire que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, c'est que ça met ça à la poubelle. Ça, déjà, c'est plus vrai. Si ça, c'est plus vrai, ça, c'est plus vrai non plus. Et on va voir aussi que, assez directement, ça implique des effets physiques dont on a mentionné tout à l'heure, quand je vous posais des questions, de contraction des longueurs, dilatation des durées. Voilà. Donc, je vais vous présenter ces problèmes-là, et ensuite, on les verra de manière un petit peu plus quantitative. Mais là, ce que je vais dire maintenant, ça va être finalement assez qualitatif.
Bon, ça, vous l'avez en tête. J'en ai ça aussi. Ça aussi. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur le point suivant. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle, même en mécanique classique, qu'est-ce qu'on appelle la simultanéité? Qu'est-ce que ça veut dire que deux événements ont lieu en même temps à des endroits différents? Par exemple, c'est l'anniversaire, c'est votre anniversaire, et vous voulez que tout le monde sur la planète souffle en même temps votre bougie, parce que vous êtes un peu mégalo, et vous voulez vous assurer qu'à New York, ils vont souffler la bougie au même moment que vous, ici, au Bourget du Lac. Comment est-ce qu'on fait ça? Une manière naïve, maintenant qu'on est, on a des moyens de communication rapides, c'est se dire, je prends mon téléphone, je toque, j'appelle, allô, 3, 2, 1, on souffle, et tout le monde souffle en même temps. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pour que le message arrive. Et c'est pas instantané, ça met un certain temps, alors que c'est un temps qui est petit, hein, mais c'est un temps qu'on peut tout à fait mesurer. Hein. Donc ça veut dire que si vous faites ça, les gens de New York vont souffler sur leur bougie un tout petit peu en retard par rapport à vous. Donc ça marche pas. La manière de faire ça, quand on y réfléchit un petit peu, c'est de se dire on va synchroniser nos montres, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, on va regarder un événement dans le ciel. Quand est-ce qu'on regarde les satellites de Jupiter? Tiens, quand est-ce qu'il y en a un qui passe derrière Jupiter? On regarde tous les deux au télescope le même événement. Paf, quand il arrive, on met nos montres à zéro. Très bien. Et donc, on a tous nos montres à zéro, et puis on s'appelle bien avant, et on se dit, dans 3 jours, à minuit pile, on souffle la bougie. Et là, vous pouvez être sûr que tout le monde va souffler la bougie en même temps. Vous pouvez même le faire sur toute la planète, c'est trop bien. Donc ça, la simultanéité telle que je viens de vous l'exposer ici, pour s'en assurer, il faut synchroniser des horloges. Je l'écris le mot parce que la synchronisation d'horloge, c'est quelque chose sur laquelle on va devoir revenir. Je vais montrer un exemple ici de ça, comment est-ce qu'on peut synchroniser des horloges et voir que des événements sont simultanés. Ça, dans tout ce qui va suivre, je vais en faire plusieurs, ça c'est un wagon de train. D'accord ? On va avoir ici, au milieu du wagon, on va avoir un dispositif qui émet quelque chose, ça va être parfois de la lumière, parfois du son. Je vais commencer par du son, simplement. On a un petit micro, un haut-parleur plutôt, qui est ici, et qui va à un instant donné, émettre une onde sonore. Et vous avez ici des micros, je vais les mettre comme ça, qui sont collés contre les murs, le micro A et le micro B qui sont ici. Je me place dans le référentiel du train. Ce train est en train d'avancer. Je ne vais pas mettre de flèche pour l'instant pour ne pas vous donner l'idée de mouvement, parce que pour la personne qui est dans le train, en train de faire cette expérience un peu bête là, quelqu'un qui est dans le train, il ne voit pas que le train est en train de bouger si c'est à vitesse constante. Il est dans un référentiel galiléen, il peut faire de la physique comme s'il était au repos. Donc voilà, il est là. Et la question qui va se poser, c'est au bout de combien de temps est-ce que le signal sonore émis ici atteint les deux micros A et B? Je vais appeler grand L la longueur du train. Ça, c'est quelque chose que le gars peut très bien mesurer. Hein. Prend un mètre, le temps d'un bout à l'autre du wagon, et il lit, tout simplement. Ça, c'est le truc le plus simple à faire. Bon. Si j'appelle T égale 0, le moment où on a une petite explosion, je vais appeler ça explosion, donc on a un petit son sec comme ça, qui va émettre une onde sonore et qui va se propager d'un côté à l'autre. Au bout de combien de temps, si j'appelle VS, la vitesse du son, au bout de combien de temps est-ce que le son va atteindre le micro B? Notre machin est au milieu du train? Oui, votre machin est au milieu du train. Alors, c'est 2 fois VS. Le temps pour atteindre B, c'est L sur 2 fois VS. Non, sur VS. Sur VS. Ok? Effectivement, c'est la distance divisée par la vitesse. Voilà. Et quel est le temps pour atteindre A? Le même. Le même. L sur 2 VS. Donc effectivement, s'il y a un observateur ici, un observateur là, et qu'ils ont effectivement réglé au début leur montre de la même façon, avec la même origine, ils vont voir, observer ces deux événements au même instant, ils vont pouvoir se dire après coup, effectivement, là, c'est rigolo, on a entendu le truc en même temps. Maintenant, on va analyser la même situation du point de vue de quelqu'un qui est sur le quai et qui voit le train passer.
à la vitesse que je vais appeler grand V. Donc maintenant, hein, on repère les choses par rapport à ce qui se passe sur le quai. On a toujours, je vais appeler t égale 0 le moment où effectivement l'onde sonore est émise ici. Ça, je vais continuer à l'appeler A et ça, je vais continuer à l'appeler B. Attention, c'est ici que ça se complique un petit peu. Au bout de combien de temps est-ce que comment est-ce qu'on peut calculer le temps au bout duquel l'onde sonore atteint le point B qui est ici? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure parce que dans notre référentiel à nous, B est en train d'avancer par là-bas. Donc, son abscisse change, sa coordonnée change. D'ailleurs, on peut très bien voir comment ça s'écrit. Hein. Si j'appelle x égale à 0, si je prends 0 ici comme centre, comme origine du repère, la position de B est simplement donnée par L sur 2, c'est-à-dire la position initiale, plus V fois T, c'est-à-dire de combien ça a avancé au bout du temps T. Donc ça, c'est la position du micro en B qui est ici au cours du temps. Si je veux savoir quand est-ce que l'onde sonore arrive à cet endroit-là, ben je vais aussi écrire la position de l'onde sonore, je vais la noter XS pour X son. Et la position de l'onde sonore au cours du temps, ben elle part d'ici et puis elle avance dans cette direction-là. Donc vous avez envie de mettre quoi ici? C'est quelque chose qui est proportionnel au temps. Qu'est-ce qu'on met ici? Alors j'entends VS. C'est ça que j'ai envie de lui faire dire. VS prime. VS prime, ça, pourquoi il y a un prime? C'est par rapport au deuxième référentiel. Alors effectivement, ce qu'il faut mettre ici, c'est la vitesse du son que nous, on voit depuis le quai. Qu'est-ce qu'on voit depuis le quai? On voit ici de l'air dans le wagon qui est en train d'avancer à la vitesse grand V. Et dans cet air en train de se déplacer, il y a l'onde qui avance elle-même à la vitesse du son. Donc la vitesse du son par rapport à nous, dans une analyse galiléenne, hein, sans faire de relativité, la vitesse du son par rapport à nous, c'est V plus VS. Donc voilà la position du front sonore au cours du temps. Et si je veux savoir au bout de combien de temps est-ce que le son atteint le micro, il faut que je regarde quand est-ce que ça est égal à ça. J'égalise ces deux trucs-là. Je cherche L sur 2 plus V fois TB est égal à VT plus VTB plus VSTB. Donc ce que j'ai fait ici, hein, j'ai simplement dit que ça est égal à ça et j'ai écrit que T valait à ce moment-là TB. Vous voyez que ces deux termes-là se simplifient. Et on trouve que TB est égal à L sur 2VS. Donc on trouve la même chose que là-bas. Les deux analyses faites dans les deux référentiels donnent le même temps d'arrivée pour l'onde à ce point-là. Vas-y. Vas-y, hein, si un truc que je... C'est bon ? J'avais compris que ce n'était pas vrai la deuxième ligne, que V plus VS. Alors, d'accord, je vais le redire clairement, parce que je suis peut-être effectivement un peu vite. Là, pour l'instant, c'est d'un point de vue galiléen. Voilà, je ne fais pas de relativité encore, je vous montre une situation telle que vous l'auriez analysée avant d'arriver dans ce cours. C'est vrai, c'était pas faux alors, j'avais l'impression que c'était faux. Alors, ça l'est. Alors, je vais redire. Si on suppose qu'effectivement l'addition des vitesses se fait de manière galiléenne, c'est-à-dire celle qui n'est pas correcte, là, mais on le suppose quand même pour faire de la physique, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. On va écrire ça d'un côté, on va écrire ça de l'autre, et on arrive en faisant cette hypothèse fausse, que les vitesses s'ajoutent de manière naturelle et intuitive, on arrive à trouver dans ce cas-là que le temps ici au bout duquel le son atteint le micro B est le même dans les deux analyses qui sont là. On trouve la même chose des deux cas. Donc on est content en fait. Hein. On est content, on se dit bah, très bien, on trouve la même chose. On est content parce qu'on ne sait pas encore que c'est faux tout ça. Je vais maintenant refaire la même analyse en faisant l'hypothèse d'Einstein que la vitesse est la même dans tous les référentiels. On va trouver quelque chose de différent de ça, quelque chose qui heurte le sens commun, et c'est là où ça va commencer à poser des problèmes conceptuels. Donc je vais l'effacer, c'est bon? On va reprendre tout ça maintenant dans le cas où on a où on suppose que la vitesse de la lumière est une constante. Mais le fait qu'on a là, il est dans le référentiel du train ou le référentiel du quai? Alors, pour la mécanique galiléenne, ouais. C'est le même temps. Ouais, tu te souviens, t'es prime égalité. Ouais. Donc, il n'y a pas encore cette subtilité à ce niveau-là. C'est une bonne question, hein. Mais ici, pour l'instant, il n'y en avait pas encore. Alors, nous sommes maintenant dans un train, dans le vrai monde, dans le monde dans lequel on vit maintenant. Je me place dans le référentiel du train.
et je mets ici, non plus un micro, mais quelque chose qui émet de la lumière. Et j'ai ici un détecteur de lumière en B, un détecteur de lumière en A. Est-ce que ça vous semble évident, est-ce que ça vous semble d'abord vrai, que le temps d'arrivée de la lumière, donc elle part dans cette direction-là et dans cette direction-là, est-ce que ça vous semble évident que TB est égal à TA? Le temps au bout duquel ça atteint ce micro-là est le même que celui-là. Oui. Si le train ne bouge pas. Si le train est en mouvement, on est nous dans le train en train de bouger, mais dans le référentiel, on se place dans le référentiel du train, donc dans le référentiel en mouvement. Donc quand tu es dans le train, tu es assise tranquille, du coup autour de toi, tu n'as pas l'impression que la cabine bouge spécialement. C'est dans ce référentiel-là qu'on est en train de faire de la physique. C'est juste un argument de symétrie ici en fait. Hein. Dans ce référentiel, dans le référentiel du train, ben nous on est dans une cabine qui a l'air de ne pas bouger par rapport à nous. J'envoie de la lumière par là, j'envoie de la lumière par là. Elle va mettre le même temps pour arriver ici que pour arriver là. Je peux même l'écrire le temps. Hein. Ça vaut simplement L sur 2, C. Le temps que met la lumière pour parcourir les deux demi-trains, là, ça vaut L sur 2, C. La vitesse de la lumière est la même dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc là, le fait qu'effectivement la vitesse de la lumière soit constante intervient. On utilise ici le fait que la vitesse de la lumière dans ce sens-là est la même que la vitesse de la lumière dans ce sens-là. Ce qui est loin d'être évident. Vas-y. Je reviens au train qui est ici. Donc, dans le référentiel du train, le rayon arrive en A en même temps qu'il arrive en B. Donc ces deux événements sont simultanés et les observateurs qui sont là arrivent à dire « Ok, on a détecté ça en même temps, nos horloges ». S'ils ont synchronisé leurs horloges avant de faire l'expérience, ils les arrêtent quand le rayon lumineux arrive, et ben après ils se rejoignent au wagon-bar, hein, ils comparent leurs inscriptions, et oui, voilà, c'est les mêmes, ils ont les mêmes temps. Là, ça devient un petit peu plus subtil, c'est quand on analyse la situation, dans le référentiel où le wagon est en train de se déplacer. Vitesse du wagon. Stop. Parallèle ici. Voilà, et je vais tracer le wagon ici à différents endroits. Donc là, j'enlève mes traits qui ont servi à faire le dessin. Voilà, le centre est là, je vais grimper. Et sur le dessin qui est ici, on est dans la situation où donc, le photon de droite ici s'est écarté d'une certaine distance vers la droite et celui de gauche de la même distance vers la gauche. Et pareil ici, entre là et là, vous avez la même distance, etc. Donc là, je n'ai pas dessiné plus loin le photon parce qu'il a touché le fond du train, et là, il est en train d'atteindre le devant du train, ici. Vous voyez ce qui se passe? Un photon ici, il a une certaine vitesse, mais l'avant du train est en train d'avancer. Donc il met un certain temps à aller atteindre le bout du wagon qui est ici, alors que celui qui va vers l'arrière, le photon va par là-bas, alors que le train, lui, il lui arrive dessus. Donc dans notre référentiel à nous, effectivement, la rencontre va se faire plus tôt, et on va être ici dans une situation où le photon qui a été mis vers l'arrière, dans notre référentiel à nous, touche le fond du wagon avant de toucher l'avant du wagon. Vas-y. Mais du coup, où est-ce qu'on s'est trompé dans notre raisonnement? Parce que finalement, les deux gars qui sont dans notre wagon, là, ils peuvent en descendre pour témoigner que ça a touché en même temps. Et c'est une excellente remarque, et c'est là tout le problème, effectivement. Là, ce qu'a l'air de nous dire le dessin qui est ici, c'est que nous, depuis le quai, on va dire le photon, la lumière émise vers l'arrière, a touché le fond du train avant que je vais remettre les lettres. Hein, voilà. La lumière a atteint A avant d'atteindre B. C'est ça qu'on a envie de dire quand on voit ça. Les gens qui ont fait l'expérience dans leur train, eux, disent la lumière a atteint A en même temps qu'elle a atteint B. Les deux événements sont simultanés. Ça veut dire ça, il n'y a pas d'erreur. Ce que ça veut dire, le raisonnement
qui est ici, c'est simplement, entre guillemets, que la notion de simultanéité de deux événements, elle est relative. C'est relative au mouvement. Certains observateurs vont voir que deux événements sont simultanés, des autres observateurs vont voir que ces deux mêmes événements ne sont pas simultanés. Et ça, alors, c'est pas juste un calcul du tout. Imaginez qu'on fasse une photo, vous avez le train qui est en train de passer, vous êtes sur le quai, là, et vous avez le train qui est en train de passer, et vous allez vous mettre tout près du train, comme ça, il va vraiment vous raser, et vous allez prendre une photo du train au moment où il est en train de passer. Qu'est-ce que vous allez voir sur cette photo? Vous allez voir un truc bizarre, hein. Ici, le moment où la lumière atteint le fond du train, bah, vous allez voir, si le cas, on va même faire ajouter un petit élément, les gens ici en A et en B, ils sont en train de vous montrer leur montre, comme ça, d'accord? Ils sont sur le... Ils ont une horloge, ils sont en train de la coller à la vitre, pour que vous la voyez. Celui à l'arrière, il colle sa montre à la vitre, celui qui est à l'avant aussi. Vous prenez une photo de tout le train, vous avez un gros appareil photo, vous prenez une photo de tout le train. Ce que vous allez voir sur la photo qui est là, vous allez voir que la montre de ce gars-là indique une certaine indication, bah, l'indication au bout duquel, enfin, celle qui était ici, hein. Imaginons que ça mette une seconde pour faire, que pour lui, ça mette une seconde pour atteindre le fond ici. Une seconde ici, voilà. Une seconde pour atteindre. C'est le beau train déjà. Hein. Donc vous allez voir quand vous allez prendre la photo ici, vous allez voir ici une magnifique horloge avec marqué ici une seconde. Stop. Qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous n'allez pas du tout voir ça. Là, pour le gars qui est ici, le photon ne l'a pas du tout atteint. Donc vous allez voir ici une indication de sa montre qui est bien antérieure à ça. Vous allez voir peut-être, je sais pas, 0,3 secondes. Donc, le 1 seconde, c'est ici. Vous allez voir si vous attendez suffisamment pour que la lumière soit arrivée au bout. Là, effectivement, vous allez voir le gars juste qui est en train d'arrêter le chrono de sa montre parce qu'il vient de recevoir le photon. Et la montre bloquée sur 1 seconde. C'est ça que vous allez voir sur la photo qui est là. Du coup, ici, ce que vous allez voir, c'est le gars avec sa montre qui est déjà parti pour un coup. Hein. Lui, c'est bon, ça fait un bout de temps qu'il a reçu son photon. Sa montre continue de tourner éventuellement. Vous allez voir ici 2 ou 3 secondes. Et donc la photo du train que vous allez voir va vous montrer des gens qui ont des indications différentes sur leur montre. Imaginez une expérience encore plus bizarre. Imaginez que vous êtes dans le train, on s'ennuie un peu dans le train, vous dites à tout le monde « Attention, on va faire un grand jeu !» À 3, tout le monde prend, je sais pas, prend une balle, ou mieux un truc qui casse. Ah ouais, tout le monde prend une bille en verre et la lâche à l'instant T égale 0. Donc on synchronise tous nos montres dans le train, et quand ça va arriver sur... 2 minutes, tout le monde lâche la bille de verre de la même hauteur. Vous êtes dans le train, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde lâche le truc à la même hauteur, ça tombe, il y en a partout. Si vous prenez la photo de ça depuis le quai, le train est en train de passer, vous allez voir toutes les étapes du processus. Lui, là, vous allez voir quelque chose d'assez tardif, donc vous allez voir probablement au bout d'une seconde, la bille aura touché par terre, aura commencé à se casser. Donc ici, vous verrez des éclats de verre, là, vous verrez un peu moins d'éclats de verre, là, vous verrez juste la bille qui est en train d'atteindre le sol, et puis là, elle ne l'a pas atteinte, pas atteinte, pas atteinte, et là, le gars, il est en train de commencer à la lâcher. Donc tous ces événements simultanés dans le référentiel du train, vous allez vous les voir en décalé. Donc ça vous montre que si la vitesse effectivement de la lumière est constante dans tous les référentiels, ça veut dire que le passage du temps aussi est quelque chose de relatif. La simultanéité est relative, le passage du temps est aussi quelque chose de relatif. On va le voir de façon beaucoup plus quantitative. Il y a des formules très simples qui permettent d'estimer toutes ces grandeurs-là. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que même sans formule, on peut voir que l'effet, en fait, il est effectivement... Alors, dernière subtilité liée à ça. Je vais laisser cette situation-là. Juste cette photo-là. Le train, il est en train d'aller par là-bas. Et on imagine qu'on ait pris cette photo-là avec les indications des montres des gens. J'enlève ce truc-là. Attention, ce train est en train d'en croiser un autre. Qui va à la même vitesse dans l'autre sens. Vous avez tous fait ça en TGV. Voilà. Les trains se croisent. Et je vais considérer l'instant où les trains, ils sont identiques, hein, les trains. C'est les deux mêmes trains. Ils se croisent et je vais considérer l'instant où ils sont juste, où la tête de l'un atteint la queue de l'autre et vice-versa.
D'accord ? Et je vais m'arranger pour que les gens aient fait leur expérience et déclenché le truc à lumière qui se trouve au milieu là, d'une manière symétrique, c'est-à-dire de sorte que ici on lise 0,3 secondes et ici on lise 1 seconde. Donc ça, il suffit vraiment de reprendre l'expérience de tout à l'heure, de faire aller le train dans l'autre sens, et on arrivera quand même comme ça à une situation. Depuis le quai, on verra le train aller dans ce sens-là, et on verra qu'à la queue du train, les indications des montres sont ultérieures à celles de l'avant du train ici. Donc lui, il va par là-bas, à la vitesse grand V, et lui, il va par là-bas, à la vitesse grand V. Voilà. Ça, c'est ce que vous prendriez en photo. Si vous prenez en photo le croisement des deux trains, et vous arrivez à prendre les montres des gens en même temps, voilà ce que vont vous donner les indications. Imaginez que quelqu'un qui se trouve dans le train du bas ait envie d'estimer la longueur du train qui est en train de le croiser. Imaginez-vous, vous êtes dans le train, vous allez à Paris, vous avez un autre train qui vient de Paris, vous êtes en train de le croiser, et vous dites, tiens, je vais m'amuser à mesurer la longueur du train que je suis en train de croiser. Depuis mon référentiel à moi, dans mon premier train. Vous voyez la situation ? Comment est-ce que vous allez faire ça ? Alors, c'est pas évident, hein, ça va vite. Mesurer la longueur de l'autre train, ça veut dire essentiellement, à un instant donné, je vais dire, ce que je peux faire par exemple, c'est me dire à tous les passagers du train, ils s'ennuient pas hein, quand on fait de la relative, les gens dans les trains, hein, c'est tout ça, la contribution. Donc tous les gens, vous les mettez aux fenêtres, toc toc toc, mais vraiment hein, densément, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, tout le monde est à la fenêtre en train de regarder le train qui va passer, et vous dites, attention, vous allez tous regarder vos montres, on synchronise nos montres dans le train, on l'a déjà fait plusieurs fois, voilà, et à un instant donné, qu'on calcule quand justement ce train va être en train de passer, ou on se donne un instant donné, par exemple 0,3 secondes, tiens, on va faire ça. À 0,3 secondes, quand vos indications sur vos montres sont 0,3 secondes, vous levez la tête et vous regardez s'il y a du train ou s'il n'y en a pas. D'accord ? Ce qui va se passer, mettez cette situation à côté, mais vous avez le train qui est ici, là vous avez les têtes des gens. Voilà. J'aurais dû en faire encore plus. Voilà, vous avez peut-être des gens qui vont regarder passer le train. Le train passe, ils regardent tous leur montre. À 0,3 secondes, ils regardent s'il y a le train qui est en face d'eux ou pas, et je vais colorier ceux qui voient du train. Si lui, il n'en voit pas, lui, il n'en voit pas, lui, il en voit. Voilà, lui, il en voit, lui, il en voit. Lui, il en voit, lui, il n'en voit plus, il n'en voit plus, il n'en voit plus. Si c'est un petit train, par exemple, qui est en train de passer, voilà ce qui va se passer. Pour un petit train, par exemple. Donc tous les gens qui ont vu un train ont vu du train à ce moment-là vont lever la main et vous allez estimer la longueur du train à cette grandeur-là. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement ? C'est un bon moyen. Il n'y a pas de piège, hein. C'est effectivement un bon moyen de mesurer. Je sais pas. Alors pour l'instant, j'ai pas dit forcément que c'était relié à ça. On va dire que c'est un petit train qui est en train de passer là. Non mais c'était quoi ta remarque du coup ? Tu veux la taille de la largeur des gens ou voilà. Si ici, imagine que ça soit le premier gars qui ait vu du train de la flèche. De la largeur de la flèche ou... Les gens qui sont ici estiment que le train qui est en train de passer devant eux a cette longueur-là, oui. Parce qu'au moment où ils ont tous regardé en même temps, lui, il voyait le paysage, lui, il voyait le paysage, lui, il voyait le train, lui, il voyait le train, il voyait le train, il voyait le train, lui, il revoyait le paysage. Donc, eux se disent, le train fait cette longueur-là. Ouais ? Non, regardez, c'est là que c'est le dernier truc subtil de ce qui va suivre ici, mais il faut le suivre. À 0,3 secondes, lui, il voit effectivement, lui il est à 0,3 secondes, donc ça tombe bien, j'ai bien fait de prendre cette grandeur-là. Le gars qui est ici, quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le cul du train qui est ici, avec une indication de l'autre qui est de 1 seconde. Mais peu importe, lui, quand il lève les yeux, il voit effectivement le bout du train qui est ici. Ici, il faut faire attention, le gars qui est ici, dans la situation qui est là, vous voyez que c'est quand son horloge, quand sa montre indique 1 seconde, qu'il est en train de voir l'avant du train. C'est ce que dit le dessin qui est là. D'accord ? Ça veut dire qu'un petit peu avant, à 0,9 secondes, comme ce train-là est en train d'aller dans cette direction-là, à 0,9 secondes, lui ne voyait pas de train. À 0,8 non plus, à 0,7... Une seconde, c'est le moment où l'observateur qui se trouve ici commence à voir passer le train, en fait. Donc lui, commence à le voir passer assez tard. Quelqu'un qui va être ici, dont l'indication elle sera intermédiaire à 0,9 secondes, c'est pareil, 0,8. Et en fait, il va falloir se décaler par là-bas d'une certaine quantité pour que les gens commencent à voir
pour qu'à 0,3 secondes, les gens commencent à voir effectivement du train. Ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire là, c'est que pour les gens qui font la mesure, les gens qui sont à l'intérieur ici, qui font la mesure, comme je viens de vous l'écrire là, les gens qui sont ici mesurent une longueur de train qui est plus petite que la leur. À 0,3 secondes, lui est en train de voir l'arrière du train, au même 0,3 secondes, au même instant, lui n'a pas encore du tout vu passer l'avant du train. Donc ça veut dire que l'avant du train, pour les gens à 0,3 secondes, il est quelque part par là-bas, il est entre les deux. Et donc eux ont l'impression que le train qui est ici est plus court. Donc, si vous faites cette expérience-là, et ça marche. Alors, dans le train, ça ne marchera pas parce que les vitesses sont trop faibles en pratique, hein, mais théoriquement, ça marche. Et donc, les passagers du train, dans leur référentiel à eux, qui mesurent la longueur de l'autre train en train de passer, la mesurent plus petite que la leur. Le truc de fou, le truc très peu intuitif, c'est que si maintenant on fait le même raisonnement à partir des gens qui sont là-dedans, parce que les gens de l'autre train, ils ont le droit de s'amuser aussi, il n'y a pas de raison, donc eux, ils font ça aussi. Et vous pouvez prendre le même raisonnement, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'autre train qui est plus court. Donc chacun a l'impression d'être dans un train qui est plus long que l'autre. Ça vous dit que la notion de taille entre deux objets, comparer des tailles d'objets en mouvement, c'est quelque chose de très délicat. Et on peut être dans une situation où l'observateur A voit B plus petit que lui, et B voit A plus petit que lui. Ça, normalement, c'est quelque chose qui vous pose problème, c'est normal. C'est un des gros écueils de la relativité. Tout ça, ça heurte vraiment le sens commun. On se dit, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Voilà, on se dit ça, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que avoir une longueur, en soi, ça ne veut rien dire. C'est on a une longueur mesurée dans un certain référentiel, et cette longueur dépend du référentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la règle qui est là. Ça, si vous le mesurez dans le référentiel, on appelle ça au repos, vous mesurez la longueur qu'on dit au repos. Et si vous mesurez ça depuis un référentiel qui est en train de bouger, ça je le laisse au repos là, je le mets là, et je bouge comme ça, et je trouve un moyen pour mesurer ce truc-là, je vais mesurer une longueur plus faible. Dans mon référentiel à moi, en train de marcher, c'est pas ça qui se passe, c'est la règle qui est en train de bouger, donc du coup, effectivement, si la règle est en train de bouger, je vais la mesurer plus courte. Les objets en mouvement subissent une contraction apparente dans le sens de leur déplacement. C'est ça qu'on appelle la contraction de Lorentz, on va le voir plus en détail plus tard ou demain. Juste un mot sur cette notion sur le fait que un bonhomme peut voir l'autre plus petit et l'autre bonhomme peut voir le premier plus petit aussi. C'est quelque chose qui n'est pas si choquant que ça quand on réfléchit. Il y a pas mal de situations où c'est le cas. Hein. Une situation très simple. Vous êtes deux, vous regardez, vous êtes tout près, voilà, c'est tout près, et vous vous éloignez l'un de l'autre comme ça, à reculons, à vitesse constante. D'accord ? Si vous faites ça et que vous demandez à chacun de décrire ce qui se passe, lui, il voit elle, c'est romantique, okay, il voit elle en train de s'éloigner, et il la voit de plus en plus petite. Donc il se dit, je m'éloigne et je vois l'autre personne de plus en plus petite. La personne qui est là voit celle-là s'éloigner et dit aussi, je vois l'autre de plus en plus petite. Donc vous avez deux personnes qui ont l'impression que c'est l'autre qui devient plus petite. Donc c'est pas, et il n'y en a aucune qui est plus petite que l'autre finalement, c'est une question de point de vue. C'est vraiment ça, une question de point de vue. Qu'est-ce qu'on appelle être plus petit? En fait, là, ce qu'on veut dire, c'est mesurer plus petit. Et voilà. Là, dans le train, le premier train mesure que l'autre est plus petit que lui, et le deuxième train mesure que le premier est plus petit que lui. Ça, on aura l'occasion d'y revenir sur ça en détail. Ça, c'était longtemps considéré c'est parfois considéré comme un paradoxe. C'est pas un paradoxe dans le sens où ça... C'est tout à fait en conformité avec les lois qu'on va écrire maintenant de la relativité restreinte. On l'appelle paradoxe parce que ça heurte vraiment le sens commun. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et on a l'impression que c'est juste débile. Quoi. C'est visuel. C'est pas... Ça ne peut pas être vrai. Oui, oui. Non, mais c'est la réaction normale. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que tu appelles vrai? Je ne sais pas. Il y en a un qui dit que l'autre, il devient plus petit. Il est plus petit qu'avant. Ok, alors, c'est juste visuel, je vais te décrire une expérience que je ne vais pas... Je ne vais pas vous prouver que le résultat est correct, mais je vous demande de me croire. On en fera probablement en TD à ce que je vais vous dire là. Tu vois cette règle-là? Attention, tour de magie. Tour de magie qui va coûter cher. Hein. Ah ouais, j'ai tout le matos en plus. Boîte. Ça. Je vais faire rentrer ça là-dedans. Prêt? Alors bon, je ne vais pas aller assez vite pour le faire, mais le principe. Ça, si je veux faire aller suffisamment vite, je vais faire aller très vite dans cette direction-là, ça va subir une contraction, on appelle une contraction de Lorentz, donc ça va être de plus en plus court.
Si je le fais aller à quelque chose comme une fraction, je sais pas, 90% de la vitesse de la lumière, ça, ça va avoir une taille apparente qui est comme ça. Je l'ouvre, je le mets comme ça. Quand c'est en train de passer, je peux mettre dans une situation où j'arrive à lever la boîte, le mettre dans la boîte et la fermer. Est-ce que tu considères que c'est une illusion ou pas? Le truc, il est rentré quand même. Si on a réussi à mettre ça là-dedans, ça veut quand même dire, d'une certaine manière, que la longueur de ça est plus petite que la taille de la boîte. Okay. Et au moment où il va se stopper, il n'y a pas... Au moment, si on arrive... Alors, si on le stoppe, effectivement, progressivement, sa taille va devenir de plus en plus grande. Au bout d'un moment, ça va arc-bouter là, ça va me péter le truc, quoi. Voilà. Là où ça devient subtil, et je ne vais pas rentrer dans la subtilité, mais je vous dis simplement, pour vous titiller un petit peu, si on se passe maintenant du point de vue du bâton. Lui, vous êtes à cheval sur le bâton, c'est votre référentiel, tranquille, vous êtes là, il fait cette longueur-là. Vous voyez une boîte, mais qui arrive à une super vitesse par rapport à vous, et elle est diminuée. Donc, du point de vue de la boîte, vous avez l'impression qu'en fait, la boîte, elle va être encore plus petite. Et du coup, ça va être encore plus difficile de mettre ça là-dedans, à cause de la contraction relativiste de ça. Je vous en dis rien de plus de ça, ça on le fera en TD. Il y a un paradoxe qui est ici, enfin il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui est bizarre. Ça se résout, c'est, il y a une manière très simple de le résoudre et on ne dit pas plus. Oui, oui, elle peut. Oui. Dans les deux cas, effectivement, on peut. Ça marche. J'ai une question. Oui. Mais là, le dessin qu'on avait fait, c'est 1 seconde et 0.3 secondes, c'était pour l'arrivée de la lumière qui est départée du milieu. Oui. Comment ça se passe qu'on est passé à un truc qui vient de droite? Je vois pas. C'est l'inverse, normalement. Non, c'est pas l'inverse. Si vous refaites la série de dessins que j'ai fait ici avec le wagon qui se déplace par là-bas, vous allez vous apercevoir que le temps à l'avant du train est plus petit que le temps à l'arrière du train. De la même manière que ici, le temps à l'arrière était plus long que celui à l'avant. Enfin, vous prenez le dessin de tout à l'heure, vous faites un copier-coller, vous faites une symétrie verticale, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure est encore valable, à ceci près que c'est dans l'autre sens. Les indications des horloges aussi sont inversées. L'argument qui est ici, il est faussement simple, hein, je pense que vous vous en rendez compte, c'est un casse-tête. Hein. Ça a l'air, j'essaye de le dire de manière claire, ou je sais pas si ça l'est, mais ça c'est vraiment le genre de truc où, au début, on nous l'explique et on voit vraiment pas le truc, tout d'un coup, ah oui, ça y est, là je vois exactement, on comprend, et puis on essaye de le refaire tout seul, et mais ça marche juste pas, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ces horloges et tout, et c'est le truc, il faut vraiment le reprendre quelques fois, donc il y aura un exercice de TD où on le fera tranquillement, ça, on remplira des ronds avec des indications d'horloge. Mais alors, du coup... Il y a juste un truc qui me chivote, c'est imaginons qu'on ait voulu justement savoir combien de temps aurait mis la lumière pour arriver de l'autre côté. Ça veut dire qu'il suffit de se mettre à la queue du train et de regarder par la fenêtre pour avoir la réponse avant le type qui est dedans. Vas-y, redis. Ah. J'ai la réponse à ma question avant d'avoir fait mon expérience avec ce train. Alors, c'est de quelle expérience tu parles, du coup? Si je veux savoir combien de temps va mettre la lumière. Je ne sais pas qu'elle va mettre une seconde pour arriver au bout du wagon. Oui. Donc, mes quatre personnes doivent le savoir. Au bout A ou au bout B. D'accord. Je mets en marche mon expérience avec quatre personnes qui ne savent pas le résultat à l'avance. Oui. Est-ce que celles qui sont en queue de wagon, elles vont savoir le résultat de l'expérience avant celles qui sont au bout, si elles regardent sûr, par la fenêtre? Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a pas de paradoxe avec ça. C'est le cas dans plein de situations. Regarde, imagine que le soleil se mette à exploser là, après-demain. Ce soit maintenant, allez, bouge. Le soleil explose maintenant. Toi, tu le sauras bien avant les gens de Proxima du Centaure. Hein. Tu vas cramer. Voilà. Tu sauras le résultat de cette expérience qui est faisant exploser le soleil bien quelques années avant les personnes qui se trouvent sur Proxima du Centaure. Il n'y a pas de raison que tout le monde ne sait pas tout en même temps. Justement, le fait que la lumière se déplace avec une vitesse finie, ça veut dire qu'on n'a pas tous accès à l'information en même temps, à la même. Tout à fait. Est-ce que dans les deux trains, on leur montre synchronisé aussi entre... Oui, au début, donc, dans chacun des trains, avant de se croiser, ils ont tous synchronisé leur montre. Mais l'un par rapport à l'autre, est-ce qu'ils sont synchronisés? Non, pas l'un par rapport à l'autre, non. Ça veut rien dire, en fait, parce que justement, tu vois que ça ne s'écoule pas de la même façon. Donc, il n'y aurait pas moyen de synchroniser un train par rapport à l'autre. De manière générale, tu ne peux pas synchroniser les horloges d'un référentiel par rapport aux horloges d'un autre référentiel qui est en mouvement par rapport au premier.
C'est ce qu'on va voir, hein, le passage du temps, il dépend là, du mouvement, donc il n'y a aucune manière de synchroniser des horloges entre deux référentiels qui sont en cours l'un par rapport à l'autre. Merci. Moi, j'étais juste sur l'exemple des trains que vous avez fait avant, en fait. Quand on écrivait une seconde et 0,3 secondes, oui. On avait dit que c'était le temps qui avait parcouru le grain de photon. D'une part, il avait touché la paroi de gauche, et de l'autre part, il avait juste un peu avancé. Mais c'est, comment on avait relié ça aux montres des gens, quoi. Donc, quand le train, dans le cas où le train était par là-bas, par exemple, ce qu'on avait déterminé, c'est, j'avais envoyé la lumière des deux côtés, là, et j'avais dit, tiens, il y a un moment où la lumière atteint ce bout-là, mais n'a pas encore atteint l'autre. D'accord ? Elle était quelque part par ici, alors que là, elle avait atteint le truc du fond. J'avais appelé une seconde, j'avais dit, par exemple, imaginons que ça mette effectivement une seconde à aller ici, c'est-à-dire que le gars qui est dans le train, il voit, quand la lumière arrive, ça arrive sur un détecteur qui lui dit, voilà, le photon est arrivé. Quand ça se passe, sa montre indique une seconde. Voilà. Du coup, comme on avait vu que dans le référentiel du train lui-même, si on fait le référentiel, on est dans un train là, on fait l'expérience, comme ça, moi je suis au fond du wagon, toi t'es là-bas, quand moi je reçois mon photon, je note une certaine heure, toi quand tu reçois ton photon, tu notes la même heure que moi en fait, parce qu'on est à la même distance du centre. Donc, dans le référentiel du train, la lumière a été émise depuis l'exact milieu, les personnes qui sont à chacune des extrémités reçoivent la lumière à une heure qui est la même à leur montre. Donc le gars du fond, quand il reçoit son photon, sa montre marque une seconde. Or, ici, l'onde n'est pas encore arrivée au bout du train. Donc l'indication de l'heure qui est ici n'est pas une seconde. On est ici à un instant antérieur. Il n'a pas encore reçu la lumière. Il la recevra dans un temps. Il va la recevoir plus tard. Voilà, quand le train va avoir bougé, j'avais dû faire un autre dessin comme ça. On avait ici du coup une seconde, c'était le moment où la lumière arrive là. Et là, par contre, du coup, on a 3 secondes, on a quelque chose d'encore plus grand. Le temps, il a continué à s'écouler, et voilà. C'est vraiment le une seconde qui est ici, c'est le temps que lisent les gens sur leur montre quand ils reçoivent le signal lumineux qui a été émis depuis le milieu du train. Et du coup, le 0,3 secondes, il correspondait au temps à... Alors, si tu veux savoir pourquoi c'est 0,3 et pas 0,4 non, que ça soit un temps antérieur, en fait. Voilà, c'est un temps antérieur parce que le gars qui est ici n'a pas encore reçu le... Au moment où je prends la photo, là... Donc il faut bien s'imaginer, on voit ce qui se... Là, on est en train de prendre en photo ce qui se passe quand le train arrive juste devant nous. Au moment où le gars qui est ici est content, il est peut-être content parce qu'il a reçu, il y a le photon qui est arrivé, il peut faire son expérience, il voit une seconde sur sa montre. Sur ma photo, je panne, je vais voir ici, je regarde, je vois le front de lumière qui est ici. Si j'ai un moyen de voir comment la lumière passe, on peut, hein, par exemple, si c'est de la lumière qui avance, on met des poussières partout, ça fait la lumière quand elle passe, ça fait briller un peu la poussière. Donc ça, c'est tout à fait envisageable à faire comme expérience. Hein. Et moi, je vois que c'est la poussière dans le train et brille à cet endroit-là. Donc le faisceau de lumière que j'ai envoyé, il est là. Donc, le gars qui est ici ne l'a pas encore reçu sur ma photo. Donc s'il n'a pas reçu, sur sa montre, le temps, il est forcément antérieur à une seconde. Ils arrêtent leur montre en même temps quand le premier reçoit. Ils regardent leur montre en même temps. Non, ils ne regardent pas leur montre quand lui reçoit de la lumière, parce que celui qui est au fond, celui qui est ici, là, il ne peut pas savoir quand est-ce que lui a reçu de la lumière. Lui, s'il veut informer, si celui du fond veut informer celui de l'avant qu'il a reçu de la lumière, il faut qu'il lui envoie un texto. Le texto, il met la vitesse de la lumière, il ne peut pas aller plus vite que ça. Donc il sera forcément en retard par rapport à ça. Donc lui, là, il va recevoir ce front lumineux avant de pouvoir savoir quand est-ce que lui a reçu le photon. Mais c'est pas grave, ça. Donc, l'expérience est la suivante. Tous les deux, ils regardent leur montre, ils ont pris soin de synchroniser à l'avance, ils regardent leur montre quand ils reçoivent chacun la lumière. Moi, je suis à l'avant, toi, tu es à l'arrière. Une fois que tous les deux, on a reçu de la lumière, on se dirige tranquillement au milieu vers la voiture barre et on compare nos chronos. Tiens, t'as combien, j'ai combien. Et on peut savoir a posteriori que le temps auquel on a reçu la lumière, c'était le même. Et quand, par exemple, on prend une photo des personnes qui tiennent leur montre comme ça, oui, et qui l'ont synchronisé avant, oui, pourtant, la montre, elle est partie en live. Non, mais on n'a pas dit que... À aucun moment, on a dit que le temps remontait en arrière. Là, dans la suite de photos successives que je vais faire, toutes les indications des montres seront croissantes. À aucun moment, on aura ici une indication, et puis là, quelque chose d'avant. Oui, mais... Non. Entre celui d'avant et celui de l'arrière,
Alors, mets un verbe dans ta phrase. Quand on travaille une photo du wagon avec le passager avant qui va voir sa montre, oui. Le passager arrière qui va voir sa montre. Par exemple, à ce moment-là, c'est voilà. Tout. D'accord. Alors, okay. On prend une photo, il y aura un décalage entre les deux. Il y aura un décalage entre l'indication des deux montres, oui. Pourtant, si elles auront été synchronisées avant, elles sont synchronisées dans le référentiel du train. C'est les deux personnes dans immobile par rapport au train qui se sont dit tiens, on va synchroniser nos montres. Mais ça, elles ne sont pas synchronisées pour nous qui sommes dans l'autre référentiel. C'est l'expression qui est ici, le temps ne s'écoule pas de la même façon dans le référentiel du train et dans le nôtre. Mais pourtant, elles indiquent la même chose. Quoi, qui que quoi? Les montres, elles indiquent la même chose. Quand on est dans le train, oui. Et quand on montre à l'extérieur, ça n'indique pas autre chose. Parce que dans le train, quand tu prends la photo, tu prends en photo des gens à des moments qui ne sont pas les mêmes pour eux. Pour toi, c'est simultané. Pour eux, ça ne l'est pas. C'est vraiment ça le fond du problème. Donc c'était bien simultané. On a pu le faire en même temps. Donc on va maintenant se reposer sur des choses plus quantitatives. Je vais vous écrire des formules. Ça vous aime bien parce que du coup, les formules, c'est facile. On prend un terme, on le met de l'autre côté. Et voilà, c'est facile. Donc tout ça... Donc de manière, quand on veut exprimer toutes ces choses-là de manière quantitative, on tombe sur ce qu'on appelle la transformation de Lorentz. Alors, je ne vais pas non plus vous faire un long historique de ça, je vous dis juste deux mots sur la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça. Donc ce qui se passe, c'est la chose suivante. On a vu que dans le cas de la physique... newtonienne, on avait écrit quelque chose comme ça. Quand on passe d'un référentiel à l'autre, le deuxième étant animé de la vitesse v par rapport au premier, on tombait sur quelque chose comme ça. Ça ne respecte pas le fait que la lumière soit la même dans tous les référentiels. Ce que s'est dit Einstein, c'est je vais chercher une autre transformation que celle-là, c'est-à-dire on va la mettre à la poubelle, je vais en chercher une autre qui ait certaines propriétés, en particulier on veut qu'elle soit linéaire en temps et en position. Ça vient d'une analyse un peu fine du genre de dessin que j'ai fait ici, mais ça, je le réserve aussi pour les TD. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de le faire ensemble. Mais on peut se convaincre assez facilement que la relation qu'on doit trouver à la fin de linéaire doit dépendre linéairement de T, de X, de V, tout ça. Et donc, Einstein s'est posé la question, avec ces contraintes-là, quelle transformation je peux faire, je peux créer, quelle transformation mathématique va me conduire à la fin à une vitesse de la lumière qui est la même dans tous les référentiels. Il est tombé sur une formule qui avait déjà été trouvée par Lorentz, qui s'était posé la question suivante. Lorentz s'était dit, quelle transformation je peux faire sur les équations de Maxwell pour qu'elles gardent la même forme dans tous les référentiels? Ce qui finalement est vraiment lié à la question que s'est posée Einstein. Et ils sont tombés tous les deux sur la même transformation, et donc il va falloir remplacer tout ça par la transformation de Lorentz, qui s'écrit de la manière suivante. T' est égal à... Je vais vous expliquer ce que sont ces symboles juste après. Et je m'intéresse ici, encore une fois, au cas où on a un deuxième référentiel qui se déplace suivant l'axe X à la vitesse grand V, qui est en configuration standard, la même que j'ai décrite tout à l'heure. Donc il faut remplacer ce que nous dit Einstein et Lorentz, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut remplacer ça par ça, où gamma... alors attendez, parce que j'ai mis un bêta ici, je ne vous ai pas dit ce que c'était, et du coup, au point de vue dimensionnel, ça va poser problème... c'est x ou v sur c carré. Bêta c'est grand V sur c, je le mettrai tout à l'heure, mais pour l'instant je veux juste mettre les vitesses. Et gamma c'est défini de la manière suivante, c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur c. Bon, ça a l'air un peu compliqué, hein, mais bon voilà, avec cette transformation là, ça nous indique que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. On va le montrer ça tout de suite. Peut-être même qu'on terminera là-dessus, mais... On va prendre le temps de le faire. Et alors on pose aussi souvent bêta, je vais l'écrire tout de suite parce que peut-être que ça va m'échapper d'utiliser, mais il faut en définir. Bêta c'est grand V sur C. Et ça c'est des notations vraiment, vraiment standard. Tous les bouquins de relativité restreinte, sans exception, utilisent ces deux notations-là. Pas d'ambiguïté. Bien sûr.
Oui. C'est bêta, c'est grand V sur C, ou V, c'est la vitesse relative des référentiels. Alors, je ne l'ai pas mis encore, mais je vous ai dit, je le définis maintenant, parce que je risque de l'utiliser. Et ici, il interviendrait là, le V sur C carré, on pourrait l'écrire comme bêta sur C, c'est ce que j'avais fait avant de l'effacer. Là. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai effacé un truc et je l'ai réécrit. Enfin, c'est juste que si à un moment j'écris bêta, si ça m'échappe, ça voudra dire ça. Et alors, ce que dit Einstein, c'est qu'il faut remplacer ça par ça. C'est quand même, c'est culotté, hein. Parce que toute la mécanique qu'on connaît, elle marche avec ça, et il remplace tout ça par ces équations qui sont compliquées. Donc la première chose à faire, la première chose d'ailleurs qu'a faite Einstein, c'est de se dire, mais est-ce que ça c'est simplement, est-ce que c'est raisonnable d'écrire ça? Est-ce que ça conduirait pas ça à des effets de physique qui seraient vraiment, qui contrediraient l'expérience qu'on a de la mécanique de tous les jours? C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que ça, dans les situations habituelles dans lesquelles on fait de la mécanique, est-ce que ça ne se rapprocherait pas de ça, en fait? Ce que je veux dire par les situations habituelles dans lesquelles on fait de la mécanique, c'est-à-dire ça va être des situations dans lesquelles les vitesses sont faibles. Je vous ai parlé de train tout à l'heure, de vitesse de train en marche, d'avion, pourquoi pas de satellite autour de la Terre. L'ordre de grandeur de ces trucs-là, c'est la centaine de kilomètres heure. Un train, c'est la voilà, centaine de kilomètres heure. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc la vitesse d'un train, c'est extrêmement plus petit que la vitesse de la lumière, extrêmement. Si vous calculez le facteur bêta ici pour un train en marche à 100 km/h, vous trouvez quelque chose comme 10 puissance moins 7. Ça vaut 10 moins 7. Du coup, si ça vaut 10 moins 7, vous voyez que dans le gamma qui est ici, 1 moins 10 moins 7 au carré, ça fait une différence de l'ordre de 10 puissance moins 14. Le terme qui est ici, il est complètement négligeable. Pour un train en marche, ce terme-là, c'est vraiment peanuts par rapport à celui-là. Donc le gamma, il vaut quasiment 1 pour un train en marche. Gamma égale 1, ça veut dire quoi? Très bien, ça veut dire que ça, on peut l'enlever. Ah bah tiens, cette équation-là, en fait, c'est la même que celle-là. Elle ressemble beaucoup. Gamma égale 1, ça veut dire que ça, je peux l'enlever. Ah, il y a T, mais il y a encore ce bout-là qui diffère par rapport à la forme de Galilée. Bon, bah, si vous regardez en plus maintenant les échelles typiques de temps et d'espace dans les expériences courantes, si vous prenez par exemple pour ça la taille de la Terre, vous prenez pour V la vitesse d'un train et C la vitesse de la lumière, vous allez vous apercevoir qu'il faut attendre un temps extrêmement long avant que ce terme-là commence à devenir important. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ferai faire aussi. Je ne vais pas faire le calcul maintenant parce que je vais garder du temps pour la dernière chose que je veux faire, mais on fera ensemble de prendre des valeurs numériques ici pour les grandeurs qui sont là dans des situations courantes, et on verra ensemble que ça, c'est vraiment très petit devant ça dans la plupart des situations courantes. Alors du coup, inversement, ne vous dites pas, bon, bah, du coup, c'est débile, si ça revient à ça, pourquoi s'embêter à faire ça? Ça revient à ça, quand la vitesse grand V ici est petite devant la vitesse de la lumière, et si on ne s'intéresse pas à trop de précision. Je vous ai dit que là, on avait un facteur 10 moins 14 par rapport à ça. Si vous avez une expérience de physique qui vous permet de faire des mesures avec une précision de 10 moins 15 ou 10 moins 16 en valeur relative, et bien là, le terme 10 moins 14, il va devenir important et vous pouvez le déceler. Et c'est le cas, on arrive à faire ça aujourd'hui, des expériences qui permettent de faire la différence entre ça et ça, même pour des vitesses qui sont pas forcément super importantes. D'autre part, si maintenant la vitesse devient proche de la vitesse de la lumière, en particulier si la vitesse est égale à la vitesse de la lumière, ben là, le cas égal, je vais t'en parler, mais si la vitesse qui est ici est de l'ordre de celle de la lumière, le bêta est de l'ordre de 1, le gamma du coup devient énorme. Si ce terme-là se rapproche de 1, on a au dénominateur quelque chose qui est tout en vers 0, donc gamma devient énorme, donc le terme ici devient énorme, le terme qui là devient énorme aussi, et on est dans une situation où il faudra absolument prendre en compte ça plutôt que ça. Donc le message, en deux mots sur ça, c'est que la transformation de Lorentz qui est ici tend vers la transformation de Galilée dans beaucoup de situations courantes, et c'est pour ça que les gens ont mis du temps à s'apercevoir que la transformation de Galilée ne décrivait pas la réalité, mais il y a des situations extrêmes dans lesquelles il faut absolument prendre ça en compte plutôt que ça. Et c'est évidemment à ces situations-là qu'on va s'intéresser dans ce cours. Vas-y. Et si on veut étudier la lumière, on aura un problème, parce qu'on doit diviser par 0. Alors, d'accord, bonne remarque. Le C qui est ici, alors pardon, le V qui est ici, lui là, c'est pas la vitesse du corps qu'on est en train d'étudier, c'est la vitesse du deuxième référentiel dans lequel on est en train d'étudier le problème. On a un train, on a un autre train, et dedans il y a de la lumière. Ça, c'est pas du tout la vitesse de la lumière.
Ça deviendra peut-être un petit peu plus clair là, quand je vais écrire la transformation relativiste des vitesses cette fois-ci. Comment se composent les vitesses, quelle est la vitesse de la lumière par rapport à un corps en mouvement. Bon, je le fais tout de suite et si ta question, tu l'as encore, tu me la reposes une fois que je réponds. Alors, ce que je veux faire ici, donc, c'est refaire une chose que tout à l'heure, là, trouver comment est reliée la vitesse dans le référentiel R' par rapport à la vitesse dans le référentiel R, en prenant les relations qui sont ici et en faisant exactement la même manip. Hein. C'est-à-dire, tout à l'heure, ce que j'avais écrit, c'est que si on a une relation entre T', T et X, eh ben, les écarts entre les temps vérifient aussi quelque chose de très similaire. Alors, en fait, elles vérifient la même relation. Ce sont des relations qui sont linéaires. Donc, on a quelque chose comme ça. Delta X et delta X prime est égal à gamma delta X moins V delta T. Et alors, ce que je vais faire dans tout le cours ici, c'est que je vais pas prendre comme coordonnée T, mais je vais prendre C fois T. D'accord ? Ça va être pour que les dimensions de temps, et en limitant par C, ça devient finalement quelque chose qui est une distance. Et ça va avoir les mêmes dimensions physiques que x, et que y et que z. Ce que je vais faire ici, je vais le faire directement au tableau ici. Je vais multiplier ça par c et ça par c. Ça, j'ai le droit. Hein. Du coup, le c qui est ici, je le passe à l'intérieur. Il reste ça. Voilà. Je vais écrire ça sous cette forme-là. Du coup, ça, ça, ça et ça, ça a la même dimension physique. Ça aura une importance, ça, quand on parlera d'espace-temps un petit peu plus tard. L'espace-temps, c'est un truc à quatre dimensions, et c'est plutôt agréable d'avoir les quatre grandeurs qui interviennent dans l'espace-temps qui ont la même dimension physique. Donc je le fais ici, je multiplie le haut par C, ici aussi, et là aussi. Et du coup, là, je vais aussi multiplier par C et diviser par C, pour avoir partout des C, des T plutôt que des temps. Attention en jaune, je vais faire une manip au tableau. Ça, c'est bêta. Ça, c'est bêta. J'ai remplacé les V sur C par du bêta. Et comme tout à l'heure, je vais calculer la vitesse dans le référentiel R' en fonction de la vitesse dans le référentiel R en divisant la première par la deuxième. Et j'ai dit l'inverse, en divisant la deuxième par la première. Delta X' sur C, delta T'. Donc je fais là vraiment bêtement le rapport entre ces deux égalités. Je ne me pose pas pour l'instant la question du sens physique de ça, je le ferai dans la ligne d'après. Donc j'ai les gammas qui vont se simplifier en fait, hein. Je les ai écrits juste pour rigoler, mais ils vont assez vite partir. Sur C delta T moins bêta delta X. Voilà. Donc là j'ai simplement recopié bêtement les lignes du dessus en les divisant. Le gamma sur gamma, je propose de le simplifier carré. Hop, il y en a plus. Ça, delta X' sur delta T', si X' ça représente la position d'un point dans le référentiel R'. Le rapport entre la distance parcourue et le temps écoulé, c'est ce que le gars dans le référentiel R' va appeler la vitesse. Donc ça, je vais l'appeler simplement V'. Il y a le sur C qui est ici que je laisse. V', ça représente ici la vitesse du corps mesurée dans le référentiel R'. C'est égal à. Et alors ici, je vais tout diviser le numérateur et le dénominateur par une même quantité delta T. Ça va me faire apparaître ça, des différentes choses. Je vais avoir ici un delta x sur delta t. Qu'est-ce que c'est que physiquement delta x sur delta t? C'est la vitesse, effectivement, dans le premier référentiel. Je vais simplement l'appeler v. Moins bêta fois c delta. J'ai dit que je divisais tout par delta t, donc il saute, il reste ça. Là, j'ai dit que je divisais tout par delta t, donc il reste c. Moins bêta, et delta x sur delta t, c'est la vitesse, petit v aussi. Donc on arrive à ça. V'. Donc je dis que je fais tout par C, donc ça fait V moins bêta C, le C je vais laisser ici, et du coup on a C moins bêta V. Voilà, je vais faire comme ça. Et si je divise en haut et en bas par C, ça s'écrit V moins bêta fois C. Ça vous rappelez que bêta c'était grand V, je vais l'écrire en haut. Bêta c'est grand V sur C, donc bêta fois C c'est grand V. Je divise tout par C, celui-là il part, moins je divise tout par C, le bêta j'ai dit que c'était grand V sur C, et ça donc ça fait V fois grand V sur C. Je suis allé un petit peu vite, mais vous le reprendrez, le résultat ici est correct.
la vitesse V' dans référentiel primé, c'est V moins grand V. Ça, c'est ça là, si j'enlève le dénominateur, ça c'est la formule galiléenne qu'on avait tout à l'heure, hein, qu'on avait écrite. Ben voilà, avec l'hypothèse d'Einstein, on a ça, le dénominateur. On va jouer un peu avec ça. Demain, on va le reprendre. Je veux juste là, s'il me reste vraiment ces deux minutes. Oui, trois, très bien. Donc je veux juste vous montrer qu'effectivement, la vitesse de la lumière est quelque chose d'invariant par cette loi de composition des vitesses. Et ce que je vais faire ici, je vais prendre par exemple, V est égal à C. Donc je considère un corps qui va à la vitesse de la lumière dans le premier référentiel, quand V est égal à C. Le référentiel se déplace, je mets dans un deuxième référentiel qui se déplace par rapport au premier, la vitesse grand V, et je vais voir quelle est la vitesse de la lumière dans ce nouveau référentiel. Si ce que je vous ai dit est correct, enfin si on a tout fait bien, qu'est-ce qu'on va trouver comme résultat? 0, toi t'as dit quoi? C. Constante. Constante, ouais. Et ça va être C en fait, on va trouver C. On va trouver que la lumière va aussi à la vitesse C dans le deuxième référentiel. Ben, regardons ce que ça donne. Je remplace bêtement, je vais même le faire directement sur le tableau ici, je vais remplacer V par C. Bon, du coup C sur C2, ça fait 1 sur C, d'accord? Lui simplifie avec lui. Bêta. Alors c'est bêta, mais si j'écris bêta, on ne va pas forcément voir le résultat final. Je vais plutôt mettre C en facteur en haut. C facteur de 1 moins grand V sur C. Et le dénominateur C1 moins grand V sur C. Et vous voyez que la parenthèse qui est ici se simplifie avec le dénominateur. Et ça donne effectivement ici C. Donc avec cette loi de composition des vitesses, vous lancez quelque chose devant vous, la vitesse de la lumière. Quelqu'un qui est en mouvement par rapport à vous à la vitesse grand V va aussi voir l'objet lancé à la vitesse C. Donc ça ne dépend pas de la vitesse relative des deux référentiels ici grand V. Donc la vitesse de la lumière, c'est effectivement quelque chose d'invariant. C'est la même chose dans tous les référentiels. La démarche d'Einstein, hein, elle était inverse. Hein. Lui, il voulait imposer ça et il est arrivé à la transformation de Lorentz que j'ai écrit. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie effectivement que la propriété annoncée est effectivement correcte. Pour demain après-midi, juste un exercice, je vous demande vraiment de le faire. Faites l'application numérique de ça avec quelqu'un qui marche à 10 km/h dans un train qui va à 100 km/h. Et posez-vous la question, pour quelqu'un qui regarde ce gars depuis le quai, il voit marcher dans le train, mais depuis le quai, combien est-ce qu'il trouve, c'est-à-dire que vaut petit v. Voilà. Donc on reprendra vraiment exactement là demain. Si vous avez des questions d'ici là, venez demain avec des questions. Pardon, petit V. Ouais. Alors je peux vous donner peut-être un indice pour pas que vous y passiez la nuit. Là, ce qui est embêtant dans ce que je vous demande, c'est que je vous demande le petit V. Et alors je vais effacer évidemment. C'était ça hein, tout à l'heure. Avec les petits v, donc je vous demande lui, alors en connaissant lui, vous aimeriez bien avoir l'inverse. Si vous êtes un tout petit peu malin, je vais regarder l'équation qui est là. Vous êtes sur le quai, vous avez le train qui passe à 100 km/h par là. Depuis le train, vous avez le quai qui va à 100 km/h dans l'autre sens. D'accord ? La situation, elle est complètement symétrique. Si l'un voit l'objet se déplacer dans une certaine direction, l'autre... Vous avez compris ? Oui. Okay. Ouais. La notion de déplacement est relative. Donc si A se déplace à B avec la vitesse, se déplace par rapport à B à la vitesse V, B se déplace par rapport à A à la vitesse moins V. Donc il suffit de prendre cette formule-là et d'échanger le signe de grand V en fait. C'est-à-dire que pour avoir V en fonction de V', il suffit d'écrire ça. Ce qui se montre vraiment en manipulant cette équation comme vous savez le faire, et puis en isolant V pour l'avoir en fonction de V'. Hein. Mais vous allez trouver ça, vous allez trouver ça. C'est pas étonnant, c'est ça, c'est simplement ce qu'on obtient en changeant le signe de grand V. Donc à partir de ça, déduisez-en la valeur de V qui est ici.